Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 86 du compendium qui est: Que signifie le mot incarnation? Eh bien, l'Église appelle incarnation le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la nature humaine en l'unique personne divine du Verbe. Pour accomplir notre salut, le Fils de Dieu s'est fait chair. Pouvons-nous lire en Jean 1,14, donc en devenant vraiment homme. La foi en l'incarnation est le signe distinctif de la foi chrétienne. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 461 à 463 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Donc, reprenant l'expression de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, l'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Dans une hymne attestée par saint Paul, l'Église chante le mystère de l'incarnation. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Donc il s'agit du cantique des Vêpres du samedi et également un passage de Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. L'épître aux Hébreux parle du même mystère, puisque nous pouvons lire en Hébreux 10 versets 5 à 7. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc ce passage cite aussi le psaume 40, versets 7 à 9. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. Donc, parce que nous lisons, notamment en 1 Jean 4, 2, à ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. C'est la joyeuse conviction de l'Église dès son commencement lorsqu'elle chante le grand mystère de la piété. Il a été manifesté dans la chair.